Good morning, ladies and gentlemen. How are you? I'm feeling you are very well. Yes, I'm very well, okay? And we come again here to help you in English. My name is Mr. Afe Komi, and I am one of the members of the group Ecole Chez Vous, the teachers who come here to help you in English during the time of revision for you to prepare your BEPC exam. So when you are in Form 4, you come. Tell your friend who are in Form 4 to come to follow this lesson and bring your exam paper of 2014, okay? You are welcome to this program. So I thank my cameraman, I thank the person that at the regie, I thank the director of this television channel, and I welcome you, everybody, to this program. So as you know, last time I went here, I came here with a beautiful lady that helped me with the program. I will let her introduce herself, okay? She is here again. I will let her introduce herself to you, people of Television Deuxième. Good morning, everybody. My name is Amuzu Elis. I'm going to school at CPS Bonjour. Okay. Thank you, Mrs. Sister Eloise. You are welcome to this program. So, I ask everybody who can have the exam paper of 2014 to come with your exam papers. Je vous invite à sortir vos épreuves de 2014, épreuves d'anglais, BPC 2014, BPC juin 2014. C'est ça que nous allons traiter aujourd'hui. On avait traité pour 2019 l'année passée, la fois passée. Et maintenant, nous allons traiter pour juin 2014. Et prochainement, nous allons continuer avec 2018. Donc, ceci pour vous aider à vous préparer pour l'examen. Et donc, si vous avez vos épreuves, donc, on va commencer. Ça, c'est BEPC, OK, 2014. Alors, before start anything, I will greet people who followed me the last Saturday. Ceux qui m'ont suivi le samedi passé, je vous remercie parce que vous m'avez écrit en inbox pour me poser plusieurs questions. Et il y a même quelqu'un qui nous a suggéré quelque chose. Très bien. Et là, je vais... le mot, il a donné un mot là que je vais essayer de vous montrer. Belief. OK? Et belief. Voilà. Ça, c'est le nom qui vient de verbe to believe. Le verbe to believe. Le nom, c'est a belief. OK? Donc, c'est ça. L'autre fois, on avait spéculé un peu sur le mot-là. Donc, il est venu à notre inbox. Il nous a aidé. Donc, merci beaucoup à la personne qui nous a aidé avec le mot. Le nom qui vient de to believe, c'est a belief. F à la fin. Merci beaucoup. Et là, ceux qui veulent... être devenu des sponsors de cette émission, le contact est là en haut, et le contact de École Chez Vous, le groupe École Chez Vous, c'est sur le 92 21 01 18, le groupe École Chez Vous, joignant sur le 92 21 01 18. Et moi-même, mon numéro, c'est le 90 47 33 109. Pour ceux qui peut-être vont vouloir poser des questions à la fin de l'épreuve, vous pouvez passer par là et vous pouvez poser des questions en direct par WhatsApp. OK, vous envoyez les questions sur les mots que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas compris dans le test, et on va essayer de vous expliquer. Et là, you are going to start with the test BEPC juin 2014 reading comprehension. The test is very beautiful. Okay, the test is the life of our ancestors. That is the title of the test, the life of our ancestors. Okay, I will let Eloise do the first reading for us, and we continue with the questions. Eloise, let's go. Test the life of our ancestors. In the old days, our ancestors lived in happiness, prosperity, good health, and harmony. They believed in supernatural forces, and they always consulted the oracles before undertaking any activities to make sure that the activity ended in smile, not in tears. So before going on a journey or getting married,
become a thief. Oracles had to be consulted to read the star. Their go ahead was always necessary for the success of the activities. Today, modern civilization and knowledge proffered to us by the white man are destroying our culture and tradition. Oracles are no more consulted to read the stars, so accidents are now abundant. Samarian groups end their adventure insulted, careless, and even divorced. And chieftaincy is now the matter of the strongest. What shall we, the youth of today, do in front of this dilemma? Yes, adapted from. Adapted from a Ghanaian newspaper. Thank you, Eloisa, with the reading. I will take it again for you. The test of PPC June 2014, the reading comprehension. The title is The Life of Our Ancestors. The Life of Our Ancestors. In the old days, our ancestors lived in happiness, prosperity, good health, and harmony. They believed in supernatural forces and they always consulted the oracles before undertaking any activities to make sure that the activities ended in smile, not in tears. So, before going on a journey, or getting married, or becoming a thief, oracles had to be consulted to read the star. Their go-ahead was always necessary for the success of the activities. Today, modern civilization and knowledge brought to us by the white men are destroying our culture and traditions. Oracles are no more consulted to read the stars, so accidents are now abundant. Samaritan couples end their adventure in insults, quarrels, and even divorce, and chieftaincy is not the matter of the strongest. What shall we, the youth of today, do in front of this dilemma? Adapted from a Ghanaian newspaper. Okay, so that is the test of BPC 2014, The Life of Our Ancestors. I remember to you that when you have the exam paper, try to read it three times. Okay, you read it three times for you to understand. The first reading, you read all the paper from the comprehension to the essay. The second reading, that is what we did now. You read again, now you think about the questions. And the third reading now, you ask the question before you read. Okay? But here also we are in revision time. We are not going to read it three times, but you are going to go like that. Eloise, we are going to start with the answers of the questions. Okay? Answers of the questions. Answers of the questions. Réponse aux questions. Okay. Answers of the question. Question number one. They say, what was the work of the oracles? The test talk about the oracles. Okay. What was the work of the oracles? What? What? When they ask a question with what? 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 FG. Quel? Okay, what was the work of the oracles? Okay, the work, c'est le travail. What was the work of the oracles? Okay, Eloise, let's go with the answer. Oracle has to be considered to read this test. Thank you. Thank you. Oracles were to be considered to read the stars. So the answer is what? What is the work of the oracles? We are going to say the work of the oracles, okay, is to read, okay, the stars. What is the work of the oracles? The text talk about the oracles. They say oracles are considered to read the star. So the work of the oracles is to read the star. That is the work of the oracles. Number two, they say, give two activities for which consulting oracles was necessary. Give two activities for which consulting oracles was necessary. Eloise, can you find these two activities in the test? Okay.
two activities for which consulting oracles was necessary. You oracle see? Yes. Before hmm? Undertaking any activities to mm-hmm. make sure that the activities ended in smile, not in tears. Thank you. That is a very important point. So, oracle, we consult oracle before going to a journey, okay, or getting married or becoming a thief. When you want to do any activities, okay, you must consult the oracles before. Let's oracle, okay. You must consult the oracle before going or undertaking any activities, for you to make sure that the activity end in smile, not in tears. Right? Now, what are the activities that we must consult the oracle before do? The activities. Now, we are going to give two elements, two examples, two activities. Okay. Before mm-hmm. going on a journey or yes. getting married. Thank you. So we are going to say two activities. Okay, two activities. Okay, for which two activities for which. Consulting, okay, consulting oracles was necessary, are, okay, semicolon, the first one is getting married or going on a journey. The second activity, getting married. Okay, getting married. Okay, so for you people at home, they say give two activities for which consulting oracle is necessary. They talk about the activities in the test. You just underline the two. Okay, don't give it three. They say two. You just give two answer here. Okay. The question number three now, they say accidents were not rare in the olden days. True or false? With true or false, pay attention. Last time I told you that some people, when they say true or false, they say today is Monday, true, or tomorrow is a Tuesday, false. True or false? You know that you must understand the test before you answer. Now we take the question. Accidents were not rare. What does it mean to be rare? Rare in French is rare, quoi, c'est rare. Rare, okay? Accidents were not rare in the olden days. True or false? Accidents were not rare in the olden days. True or false? Eloise? True or false? Accidents were not rare. You see the test, okay? Pay attention, read the test carefully. In the olden days. Rare is rare. Mm-hmm. Rare. In the older days, was accident rare or they were not rare? In the older days? Rare. They were rare? Yes. Okay. So the accident were rare. Now, the question is saying right now that accident were not rare. Accident were not rare. Two of us. False. False. Thank you. False. Okay. The answer is false. Pay attention with true or false answers. Because in the test, we use a positive sentence. We didn't use the negative. Now with the question, we are using the negative form. Were not. Okay? Were not rare. So the answer is false. They were rare. Number four. Question. Complete the sentence below. Our ancestors consulted the oracles before starting any activities. Because here you are going to complete the sentence. You see dot there. We are going to complete the sentence. Our ancestor consulted the oracle before starting any activities. Because Louise, can you add something to this sentence? Because our ancestor consulted the oracle before starting any activities. Because you have because give the answer. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Why? Why did the ancestor consulted? Why? Why was
the ability or the habit for oracle, for our ancestors to consult the oracle? Why do they consult them? Why do they consult the oracles? Because yes, they will be sure that the activities are ended in a smile, okay, not in tears. Thank you. So oracles consulted the oracle before starting any activities because the oracles help them, okay, the oracle help them, oracle helps them to be sure that the activity ended in a smile. Okay? The ancestor consulted the oracles. Why? Because the oracles helps them to be sure that the activities ended in smile. Okay? When they ask you the question why, you give the answer because. And when you see because in the test, you must give a reason. Because elle dit parce que. Donc si on dit parce que, tu dois donner une raison. Parce que, pourquoi? Tu donnes la raison. So that's the reason. So, à cause de parce que qu'on a ici, on est obligé de donner quoi? Une réponse, une phrase. Donc c'est ce qu'on a fait. Because the oracles help them to be sure that the activities ended in smile. Now, question number 5. Which one will you prefer? Ancient life or modern life? Eloise, which one will you prefer? Ancient life or modern life? Why? They say one sentence. Okay? Which one will you prefer? Old life or new life? Ancient life or modern life? According to me, yes, I prefer ancient life. You prefer ancient life? Yes. Okay? Why? Because in the old days, yes, in the old days, you might see what? You don't like a new life? No. It's an old life. Yes, okay. Yes, okay. I prefer old life. Okay. Mm-hmm. So for people, this question is a free answer. Okay, it is free. Everybody can be free to answer what he want to answer. Somebody can say in the old days, me I prefer the old days because in the old days we didn't work hard. Okay, in the older days the things are not so expensive like today. But today, before eating, you must work hard. Okay, in the old days people respect the tradition. When you go to the village, they say don't smoke cigarettes in the family, or don't do that. People respect. But now in the new life, young people, they didn't respect everybody. We don't respect the elders. Okay? Dans l'ancien temps, les choses allaient plus mieux que dans ce nouveau temps là. Donc certains vont dire ils aiment, okay, l'ancienne vie, c'est-à-dire le temps passé. D'autres vont dire, oh là, les gens qui étaient dans le passé ne connaissaient pas quoi les nouveautés que nous avons aujourd'hui, que eux ils préfèrent la vie actuelle. Donc that is for you, the free answer. Okay, you are free to say whatever you want. Souvent les questions 5, on vous donne l'occasion de dire, de choisir. Okay, on ne vous impose rien. Okay, which one you prefer? Donc chacun va essayer de choisir. Donc je vais mettre là-bas free answer. Free Anza. Pourquoi free? Free, c'est libre quoi. Ça veut dire chacun peut dire ce qu'il pense. Très bien. So that is the end of the first part, the comprehension, okay, questions. When you have some questions about this point that we already done, send your question to my number, okay, can be by WhatsApp or by SMS. You just ask your question. When you have some questions, souvent vous voyez certaines questions qu'on pose sur le test, vous ne comprenez pas, ou bien vous ne savez pas comment répondre à ces genres de questions, essayez de nous envoyer les trucs là, et on va essayer de vous répondre. Ok, toutes les questions que vous avez sur le test, que vous ne comprenez pas, envoyez ça, et on va essayer de vous répondre. So, that is the first part. We are going to continue with the second part. That is the vocabulary. Vocabulary. Ok.
They say, hey, find an antonym for each word underlined in the text. Find an antonym for each word underlined in the text. First of all, qu'est-ce qu'on appelle antonyme? Héloïse, antonyme c'est quoi? Quoi? Le contraire, ok? Antonyme c'est le contraire. Ok? Antonyme c'est le contraire. Synonyme c'est synonyme, ok? Le synonyme. So, antonyme. Now, underline word in the text. Ici, on n'a pas cité de mots. Mais on a dit seulement, find an antonym of each word underlined in the text. Qu'est-ce que cela veut dire? Now, chers candidats, ne vous attendez pas à avoir des mots qu'on a, on va mettre. Non. Les mots sont déjà soulignés dans le test. Et on dit tout simplement de donner le contraire des mots soulignés du test. Vous voyez, les mots sont déjà soulignés. Donc, ce n'est pas qu'on va encore remettre les mots ici, mais à toi de comprendre ce qu'on appelle underline. Underline, c'est souligné. Donc, les mots soulignés du test. Héloïse, aide-moi à retrouver les mots là. Le premier, c'est quoi? Believe. Believed. Ok? Le mot believed est revenu aujourd'hui encore. Believed. Donc, le contraire, le signe de contraire, c'est ce qu'on a mis. Après ça, il y a quoi? Sources. Sources. Ok? Sources. Voilà, on va chercher le contraire de ces mots. Après ça, il y a quoi aussi? Abundance. Abundance. Oui. Et il y a quoi aussi? Youth. Voilà, les mots qui sont soulignés du test. Ok? Nous allons essayer de chercher leur contraire. Alors, opposite of believe. Believe d'abord, ça veut dire quoi? To believe. Elise, believe veut dire quoi? Croire, ok? Je crois en Dieu. I believe in God. Ok? C'est ce qu'on a fait ici. Je remercie l'autre là qui nous a donné le nom. Et believe, le nom qui vient de believe. Et believe, croire. Now, what is the opposite of believed? Opposite. Tu connais ça? Opposite of believe. Disbelieve, très bien. Très bien. Dis, ok? Believed. Disbelieved. Voilà, le contraire de croire, c'est ne pas croire, disbelieve. Maintenant, sources. Sources, c'est quoi? Sources. I have the sources. At the end of the year, I pass. I pass. I go to the superior class. Okay? I am in form 1. I go to in form 2. So, I have the sources. C'est quoi sources? Réussite. La réussite, le succès. Okay? Sources. Non, le contraire de sources. Opposant of sources is what? You know it? Failure. Thank you, Eloise. Failure. Opposite of success is a failure. Échec. Ok? Failure. Maintenant, pay attention here. When they say to succeed, ça ce n'est plus success, mais on demande to succeed. Quel sera ça le contraire? To succeed. Ce sera quoi? To fail. To fail. Très bien. Donc, en anglais, lorsqu'on demande le nom, donne le nom. Si on demande le verbe, toi aussi tu dois transformer en verbe. Attention. Si c'est adjectif, tu donnes aussi adjectif. C'est comme ça, ça passe. Donc, si c'est success, le contraire c'est failure. Mais si c'est to succeed, le contraire c'est to fail. On comprend. Très bien. Alors, abundance. D'abord, abundance, ça veut dire quoi? It is abundant. It is abundant to see mangoes when you come to TV2. It is abundant. Ça veut dire quoi? Abondant, ok? Que je dis abondant, c'est beaucoup, on peut trouver ça, ok? Abondant. Alors, le contraire de abondant, opposite of abundance is what? Abundance. Maintenant, ce n'est plus abondant. C'est comment? Oui. Même si on vient en français, on dit abondant. Le contraire d'abondant en français, souvent le français marche avec l'anglais. La chose n'est plus abondante. Là, c'est rare, ok? C'est rare. Donc, rare en anglais, on va dire souvent, on va changer seulement la prononciation. On va écrire la même chose, mais on va changer seulement la prononciation. On va dire rare, ok? Abondant opposite is rare. Voilà, rare. Abondant, rare. Maintenant, youth. Youth, c'est le nom qui vient de Nyang. Et Nyang boy, c'est quoi? Un jeune. Et Nyang boy, un jeune. Donc, le nom qui vient de Nyang, c'est ça qui est youth. Mais on demande maintenant le contraire de youth là. Youth. Quelqu'un qui la jeunesse, quoi. Ok? La jeunesse. Le contraire, c'est quoi? En français, on connaît, c'est la vieillesse, non? Alors, vieillesse, en anglais, on va dire quoi? Oldest. Young? Oldest. Oldest, or you can say adult. Ok? Adult. Ça aussi, ça passe. Ok? On peut dire encore old people, elder, tout ça, ça passe. Mais adult. Thank you. Now, we go for the second part. That is part A. We go to part B. Say, link or relate each word from group 1 to a word in group B. On nous a donné deux listes ici. On nous demande de relier les mots
OK, du groupe 1 au groupe 2. Voilà le groupe 1. Groupe 1 et ici groupe OK, ici groupe 2. On va essayer de les lister. Donne-moi les mots là-bas, Héloïse. Groupe 1. Bof. Mm-hmm. Several. Army. Opponents. Wizard. Sunset. Strong. C'est fini? Non, strong. Mm-hmm. Oui. Soil. Et enfin, soil. Voilà les mots du groupe 1. Maintenant, groupe 2. Les mots là-bas, il y a quoi? Against. Oui. To. To. Land. Mm-hmm. Soldier. Mm-hmm. Witchcraft. Fight. Mm-hmm. Evening. Mm-hmm. Many. Très bien. Maintenant, les six qu'on demande de link, c'est-à-dire que nous allons relier les synonymes. Ce qui va avec ça, on va essayer de relier. Mais avant d'aller, je vais vous expliquer tous les mots qu'on a cités pour que chacun puisse comprendre. Alors, both. Quand on dit both, ça veut deux. C'est deux personnes. On est both. OK? On parle de deux personnes. Several. Several dit plusieurs choses, OK? Several. On a vu. Ah, ici, several people in the school. Plusieurs élèves sont à l'école. Ou bien de nombreux élèves sont à l'école. Donc, several veut dire beaucoup. Army. On entend le mot army. Il y a armée, OK? Ça parle de l'armée. Army. Opponent. Ça aussi, ça sonne en français. Non? Opponent. Opposant, OK? Opposant. Opponent. Ou bien adversaire. Wizard. Ha? Wizard, là, c'est le sorcier, OK? Un sorcier en anglais, c'est wizard. Une sorcière, c'est a witch. Donc, le contraire de witch, c'est wizard. OK? Et wizard, c'est un sorcier. Un homme, quoi, qui est sorcier. Voilà. Sunset. Sunset, c'est quoi? Des sun, c'est le soleil. Sunset. Le soleil se couche, non? Donc, le coucher du soleil. Sunset. Le contraire, c'est sunrise. Le lever du soleil. Sunrise. Struggle. Ça veut dire quoi? To struggle. I struggle. Ça veut dire lutter. Fait, j'allais lutter pour s'en sortir. To struggle. OK? I am struggling. Je suis en train de lutter. Soil. Comme on entend soil. Le sol, OK? Soil. Maintenant, deuxième liste. Against. Against, ça veut dire quoi? Contre. I am against you. Je suis contre. Je suis contre toi. Ou bien, Togo plays against Benin. Le Togo joue contre le Benin. Against, ça veut dire contre. Tout. Tout le monde connaît tout, non? Tout. Deux. Land. Land, c'est quoi? Territoire, le sol. OK? Land. Soldia. Bon, on a un soldia, non? Soldia. Soldia quoi? Soldia. Le militaire, bien. Bon, voilà. Witchcraft. Witchcraft, il y a déjà le mot witch qui est là-bas. Ça veut dire que c'est la sorcellerie. Les activités de la sorcellerie. Witchcraft. Craft en anglais, c'est activité. Maintenant, witch, c'est sorcellerie. Maintenant, les deux ensemble, ça fait les activités de la sorcellerie. Witchcraft. Evening. Soirée. OK? Good evening. Bonne soirée. En anglais, les salutations ont de différents tons. Quand c'est matin, on dit quoi? Good morning. Ou bien, après-midi, good afternoon. Dans la soirée, maintenant, good evening. Et dans la nuit, good night. OK? Voilà. Donc, ça, c'est evening. Many. Ça veut dire plusieurs. Nombreux. Maintenant, voilà. On va essayer maintenant de donner les significations. Les mots qui disent les mêmes choses, on va les relier. Donc, Héloïse, tu vas m'aider beaucoup. Alors, both. Both peut aller avec quel mot ici? Tout. Both, ça veut dire tout. Voilà. Donc, on fait comme ça. Both. Tout. Très bien. Several peut aller avec qui? Many. Several, comme on a dit, plusieurs, donc several va aller avec many, en bas. Très bien. Army. Army va aller avec quoi? Soldier. Army va aller avec soldier. Voilà. Soldier. Army va aller avec soldier. Uh-huh. Et opponent. Against. Opponent va aller avec against. Voilà. Opponent va aller avec against. Wizard. Witchcraft. Wizard va aller avec witchcraft. Très bien. Voilà. Sunset. Evening. Sunset va aller avec evening. Très bien. Struggle. Fight. Struggle va aller avec fight. OK.
Ah, j'ai pas expliqué le mot to fight, c'est lutter, ok? Stroke va aller avec fight. Et maintenant, soil. Voilà, soil va aller avec land. Très bien. Ouais, donc c'est ce que vous allez faire. C'est le VPC 2014, ça. Très, très simple, hein? Voilà. En anglais, je vous ai dit, l'épreuve d'anglais n'est jamais difficile. Très, très simple. Il faut juste avoir l'amour à la langue. Aimer ça, aimer lire. Ok, ne dites pas que l'anglais ne vous langue pas. Anglais ne me langue pas. Non, ne dites pas, ne vous dites pas ça. L'anglais, c'est une matière qui vous donne la chance d'avoir les points. Parce que les choses sont simples. Ok, aimer l'anglais. Si vous n'avez pas l'amour pour l'anglais, commencez pas à aimer l'anglais dès à présent. Ok, et je ne vais pas quand même oublier de vous dire qu'il faut avoir la base en anglais depuis la classe de 6e pour pouvoir mieux le faire. Mais si vous avez perdu la base, c'est pas grave. Suivez nos émissions. Vous allez, on va vous aider, ok? Écrivez-nous après. Si vous avez des problèmes, des grands problèmes en anglais, écrivez-nous. On va essayer de vous aider. Nous sommes là pour aider la population, ok? Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà la fin aussi de la deuxième partie du vocabulaire qui marque la fin en même temps des questions. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie. Language and usage. On va faire maintenant la grammaire. Voilà. C'est ce qui fait peur aux élèves. Est aussi très simple. Ici, nous allons parler des règles et puis les questions que nous avons trouvées sur l'épreuve. La grammaire. On appelle la grammaire en anglais quoi? Language and usage. C'est-à-dire que Manima de la langue. Usage et Manima de la langue. Donc, on va dire language and usage. Language and usage. Voilà. Usage et maniement de la langue. Ok? Language and usage. Et, dit complete with although. On va compléter les mots avec although. Ok? Although. Ok? Despite. Et, if et unless, ok, et enfin due. Alors on dit d'expliquer les mots avec de compléter les phrases avec les mots là. On va vous expliquer. Although veut dire quoi? J'ai fait une phrase, vous allez comprendre. I am ill. Ça veut dire quoi? I am ill. Héloïse, I am ill. Je suis malade. I am ill. But I go to school. I am ill, but I go to school. Je suis malade, mais je vais à l'école. Voilà, je suis parti à l'école. Non, moi, je suis malade. Je devais rester où? À la maison, mais je devais partir à l'hôpital. Mais je suis parti à l'école. Donc, il y a une contradiction. Non, moi, je devais être à la maison. Donc, comme il y a une contradiction, on va utiliser le mot although. Although veut dire malgré. Non, on va dire malgré que je suis malade, je suis parti à l'école. Donc, si on utilise although maintenant, le bête, le mec qui est là-bas va partir. Donc, Héloïse, il faut essayer de me faire ça. On va voir, les spectateurs vont comprendre. I am ill, but I go to school. On va utiliser although. Mm-hmm. On va commencer avec although. Oui. Mm-hmm. Although I am ill. I am ill. I go to school. Très bien. Vous voyez, although I am ill, I go to school. Ça veut dire, je suis malade, malgré que je suis malade, je suis parti où? À l'école. Donc, although se met dans une phrase où il y a la contradiction. Ok, ça fait contraste. Maintenant, on va utiliser although avec quoi? L'adjectif. Notez ça bien. Although s'utilise toujours avec l'adjectif. On ne peut jamais utiliser although avec le nom. Non. Although avec l'adjectif. Although marche avec even though, tout ça là. Avec l'adjectif. Mais, le même, il y a un mot aussi qui dit la même chose. Qui dit encore malgré. Ça, c'est despite. J'espère que vous connaissez le mot là aussi. Despite. In spite of. Les mots là aussi ils disent les mêmes choses avec although, malgré. Mais eux, au contraire avec although, eux, ils utilisent quoi? Le nom, obligatoirement. Despite plus le nom. In spite of plus le nom. Owing to plus nom, le nom. Due to plus le nom. Vous voyez? Mais si tu ne connais pas le nom, c'est pas encore grave. Tu veux utiliser despite, on vous demande d'utiliser despite ou bien in spite of. Mais tu ne connais pas le nom, tu peux utiliser l'expression de fact that. Ok, the fact that, tu veux dire despite the fact that, et puis tu utilises maintenant l'adjectif. Vous voyez, un exemple, on prend toujours, on prend une phrase
Afi is beautiful. Okay, ça veut dire quoi? Afi est belle. But nobody loves her. Mais personne ne l'aime. Il y a une contradiction, non? Afi is beautiful, but nobody loves her. Maintenant, on va utiliser although. On va dire, although Afi is beautiful, nobody loves her. Malgré que Afi est belle, personne ne l'aime. Maintenant, on va utiliser despite. Pour voir. Alors, despite Afi's beauty, nobody loves her. On va utiliser despite avec le nom maintenant. Despite Afi's beauty. On ne va pas dire encore despite Afi's beautiful. Non. Despite Afi's beauty. Parce que despite avec le nom. Mais si on ne connaît pas le nom, on peut utiliser l'expression the fact that. Comme je l'avais dit. Là, on va dire despite the fact that Afi is beautiful. Ouais, non. Despite the fact that Afi is beautiful, nobody loves her. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut commencer. Voilà ce qu'il faut faire avec although. On continue avec le second mot. Despite. Voilà, on a expliqué although, despite. Maintenant, if. If veut dire quoi? Si. Ok, if c'est conditional acts. Ok, bien, if closes. If, ça veut dire si. Si j'ai l'argent, je vais acheter, j'achèterai une voiture. If I have money, I will buy a car. If, ça veut dire ça pose une condition. Ça vous, on appelle ça conditional sentences, mais conditional acts. Ok, if closes. Ils sont au nombre de trois. Les le troisième. Vous pouvez me les citer rapidement là. Les trois types de if closes. Step 2, if close, step 3. Maintenant, Héloïse, essaie de nous donner les règles, on va voir. Ça peut aller. Ça trompe un peu les gens, mais il faut suivre juste. Step 1. Moi, je donne la phrase et tu me donnes les règles, okay? Alors, if I have money, I will buy a car. La règle, quelle règle j'ai utilisée? If I have money, I will buy a car. Step 1. Donc, ça fait quoi? Il faut placer. Simple presenter, uh-huh. Simple future. Très bien. Il faut placer. Simple presenter, plus simple future. Je change maintenant la phrase et on continue. If I had the money, I would buy a car. If I had the money, I would buy a car. Quelle règle j'ai utilisé? Step 2. Qui donne quoi? If a person had. Simple passé. Mm-hmm. Place conditional. Voilà. If a place simple past, place conditional. If I had money, I would buy a car. Maintenant, type 3. If I had money, I would have bought a car. If I had money, type, I would have bought a car. Type 3. Très bien. Qui donne quoi? If a mm-hmm. Place past perfect. Yes, sir. Conditional perfect. Très bien. If plus past perfect, place conditional perfect. Voilà les trois types de if clauses. Donc, if, c'est ça. Maintenant, unless c'est comme if, mais seulement la différence entre unless et if, c'est que unless utilise déjà la négation. Il y a déjà la négation dans unless. Unless veut dire if not. Ok, par exemple, unless you work hard, you will not succeed. Unless you work hard, you will not succeed. Ça veut dire if you don't work hard, you will not succeed. Si tu ne travailles pas dur, tu ne vas pas réussir. Voilà unless. Donc quand on a unless, on ne va plus utiliser la négation avec unless. Non. Parce qu'il y a la négation dans unless. Unless veut dire if not. Vous voyez, if not. Donc, on ne peut plus utiliser la négation avec unless. Unless déjà a déjà la négation inclue en elle. Donc, unless plus affirmative toujours. Maintenant, due. Voilà, due ou. En anglais, en français, la même chose. Due. Maintenant, on va essayer de choisir les mots pour compléter. On dit, number one, on dit. Serge failed the exam, point, he was always inattentive. Ok? Serge failed the exam, point, he was always inattentive. Si on veut expliquer en français, on va dire quoi? Serge a échoué à son examen. Maintenant, les pointillés sont là, point, on dit, il était toujours inattentif. Ok? C'est-à-dire, il ne suivait pas le cours. Voilà. Maintenant, quel mot on va prendre? Entre although, despite, if, unless, due. Voilà, il y a le mot because aussi, j'ai pas mis. Le mot because aussi est là. Because, ça veut dire parce que, on connaît. Because, ça veut dire parce que. Alors, on dit, Serge a échoué à son examen. Point, il était inattentif. Ça veut dire, il ne suivait pas le cours. Héloïse, on va choisir quel mot? Quel mot on va choisir? Because. Because, très bien. On va prendre because ici. Because, ça veut dire parce que. Donc, ça donne la raison pour laquelle Serge a échoué à son examen, non? Donc,
ça y a échoué parce que il ne suivait pas le cours. Parce que voilà, on prend Picos. Then number two, dot dot dot. Sylvia was ill. She refused to go to hospital. Sylvia was ill. She refused to go to hospital. Sylvia est malade. Elle refuse d'aller à l'hôpital. Il y a quoi? Une contradiction. On va choisir quoi, Héloïse? Aldo. Pour les contradictions, on choisit Aldo. Donc, Aldo. Voilà, pour le numéro 2. Aldo. Très bien. Numéro 3, maintenant. You will not succeed. Point, point, you don't work hard. On dit, tu ne vas pas réussir. Si tu ne fais pas, tu ne travailles pas dur. You will not succeed. Point, point. You don't work hard. On va prendre quoi là-bas? If. Très bien. Ça veut dire si. If. Ok, ça veut dire si tu ne vas pas réussir, si tu ne travailles pas dur. Très bien. Number 4 now. The hawker won't live here. Point, point, you give her the rest of the money. Ok, on dit la personne ne va pas quitter ici. Point, point, si tu lui donnes le reste de l'argent. Donc, il est là quoi. Il ne quitte pas si tu ne donnes pas le reste de l'argent. Donc on va dire quoi? The hawker won't live here. On va prendre quoi? Unless. Très bien. Unless. Unless, ça veut dire si tu ne le donnes pas encore. Parce qu'unless, il y a if not, la négation. Unless. Number 5 maintenant. Toi is always happy. Point, point, his poverty. Ok, Toi est toujours heureux. Point, point, sa pauvreté. Quel mot va aller là-bas? Il était toujours heureux. Point, point, sa pauvreté. Malgré, non? Il était malgré sa. Maintenant, poverty, c'est le nom. Donc, on apprend quoi? On n'utilise pas au dos avec le nom. Qu'est-ce qu'on utilise avec le nom? Despite. Despite. Voilà. Donc, despite. Très bien. Ok? Despite. On continue. Number 5 et number B. Turn into passive or active voice. Ah, passive, active voice. Hmm. Number 6. On dit, people say, ok, people say my grandmother, ok, people say my grandmother is an irresponsible person. Irresponsible person. People say my grandmother is an irresponsible person. On dit que les gens disent que ma grand-mère est une personne irresponsable. Alors, avec people, on vous a dit ça en classe. Quand on dit people, pour reporter au passif, à la forme passive, c'est quoi? Est-ce qu'on va reporter, on va prendre encore people? Non. Ok? Ici, on ne va pas dire par quelqu'un, non. Parce que c'est people qu'on a dit. Alors, Héloïse, essaie de nous faire ça, on va voir. People say my grandmother is an irresponsible person. Ça devient quoi? My grandmother. My grandmother. Très bien, Héloïse. My grandmother is said to be très bien, Anna. Irresponsible man. Correct. My grandmother is said to be an irresponsible person. Voilà. Donc, lorsqu'on dit people say, là, on sait qu'on ne va pas reporter avec people. Donc, people say, my grandmother is an irresponsible man. On prend maintenant le mot, le nom qui est dans la phrase. Le nom, c'est grandmother. Donc, my grandmother is said. Par exemple, people say, my grandmother is said to be. Ok, is said to be. Et ça, dans la tête. C'est plus, quand vous voyez ça, vous allez faire. Number 7. On dit, that plot of land was sold by our elder. That plot of land was sold by our elders. Our elders. Ok? Alors ici, quand vous voyez passif, on a dit transform into passive or active. Donc à nous de choisir. Si c'est passif, on ramène ça en actif. Si c'est actif, on ramène ça en passif. Donc première des choses, on doit savoir si c'est passif ou c'est actif ici. That plot of land was sold by our elders. Il y a by là-bas. Il y a le pipi was là-bas. Il y a le pipi aussi là-bas. C'est quel type? C'est active ou c'est passive voice? C'est Louise. C'est passive voice. Parce qu'il y a déjà by, il y a déjà les éléments. Maintenant, on va ramener ça en active voice. Donc, on commence avec le sujet. Souvent, le sujet, c'est après by. Parce que, by. Donc, le sujet, maintenant, va revenir vers là. On va dire,
Quoi, Louise? Our elders maintenant was sold. C'est-à-dire que la phrase est au passé. Donc on prend le verbe là au passé qui est encore quoi? Sold. Donc on va dire our elders sold. Maintenant that plot of très bien. That plot of land. Voilà. That plot of land. Voilà. Merci beaucoup pour les réponses, Louis. Tu étais bien préparé, c'est bon. Voilà. Donc, on continue ici avec la suite de l'épreuve. Et là, nous allons au numéro 8. On dit choose what is correct from the bracket. On a donné les mots, mais on va choisir la bonne réponse. I wish she tells, told, will tell the family the whole truth. Avec wish, on utilise quel temps? Wish. Wish, c'est avec le passé simple. Donc, on va choisir le passé simple ici. I wish she tells. Est-ce que c'est ça qui est le passé simple? Told. Est-ce que c'est ça? Will tell. Est-ce que c'est ça? Et Louise, on prend quoi? Told. Told. Voilà. Le passé de tout tell, c'est told. Tells, il y a S à la fin. C'est le présent, ça. Will tell, il y a will là-bas. C'est le futur. Maintenant, number 9. On dit... Our boss has been going to Brussels. He returned yesterday. On va prendre quoi? Il y a has là-bas. On sait que has marche avec le perfect, non? Has plus pipi. Donc entre les trois, been, gone, going. On prend quoi? On prend quoi? Has. Ok. He returned yesterday. On prend le entre les trois. On prend quoi? Been, très bien. Donc, our boss has been. Le verbe to be. Le pipi de be, c'est been. Ok. Maintenant, le dernier numéro 10. Maintenant, on dit when did you decide to not write? Not to write the report. C'est quelle expression on va utiliser? Don't devient quoi? Not to. Donc, on va prendre quoi? When did you decide not to? Voilà. Not to write. C'est comme ça on parle. Not to write. Ce n'est pas to not write, not to write. Voilà la fin de l'épreuve au niveau de la grammaire. Si quelqu'un n'a pas compris un élément ou bien il veut qu'on revienne sur un élément, il n'y a pas de problème. Essayez de nous appeler sur le 90-47 ou bien nous créer un message, on va vous aider sur le 90-47-33-69. Maintenant, si vous voulez sponsoriser l'émission, voilà le numéro qui est là, le numéro du groupe École chez vous, le 92-21-01-18. Maintenant, il reste la dernière partie qui est qu'on appelle essai. Là-bas, c'est 6 points. Donc, il faut bien faire essai. Le essai de 2014 parle de quoi? On dit AIDS has been destroying people's lives all over the world from some year now. In no more than 15 lines, write about how people get infected, how one can avoid it, and how one can live with people who are HIV positive. Donc, ça parle du sida. Mais nous, on va essayer de le changer. Parce que le mal qui est en train de sévir maintenant, ce n'est plus le sida, mais. C'est le coronavirus. Donc, on va essayer de changer ça en ceci. Essai. Coronavirus has been destroying people's lives all over the world for some months now. In no more than 15 lines, write about the symptoms of this disease, how one can avoid it, and how one can live with people who have been declared or tested positive. Donc, nous, on va changer ça en disant que coronavirus est une maladie qui est en train de tuer les gens. Voilà, quelques mois. Voilà, quels sont les symptômes de cette maladie? Et qu'est-ce que les gens vont faire pour éviter ça? Et comment on va faire pour vivre, accepter ceux qui sont malades de coronavirus parmi nous? Donc, voilà le sujet. Ça peut sortir à l'examen aussi. Hein? Voilà. Donc, on va essayer de faire en vous montrant le essai. Je vous dis que ça fait combien de parties toujours, Eloïse? On fait essai en trois parties. Donc, l'introduction, le code de voix et la conclusion. Donc, l'introduction peut dire, ok, tu prends le sujet pour faire l'introduction. Coronavirus is killing people. In my essay, I will tell the symptoms, how one can avoid it, and how people can live with a person who are declared positive for coronavirus. Maintenant, dans le code de voix, maintenant, je vais lister les éléments que vous allez dire. Symptoms, ok. Premièrement, tu parles de symptoms. Des symptoms of coronavirus. Ok, on va pas les lister, vous les connaissez déjà. Il y a fever, cough, difficulty in breathing, et so on. Après, symptômes maintenant, prevention.
prevention, toujours dans ton essai. En deuxième paragraphe, prevention, comment prévenir cette maladie. Et comme on vous a dit partout, on vous a dit dans le cours, you must wear a muffler, porter cache-nez avant de sortir. Wash your hands with soap and clean water, laver les mains. Use a hand sanitizer, utiliser une solution hydroalcoolique. Keep a distance of 1 meter, ainsi de suite. Call 111 when you suspect a case of coronavirus. Donc, vous avez déjà traité les sujets en classe. Donc, voilà. Donc, tu parles de symptômes prévention maintenant. Live life with coronavirus. Maintenant, comment vivre avec ceux qui ont le virus? Parce qu'ils sont testés positifs, on ne va pas les chasser, non. Comment vivre avec eux? Donc, voilà. Tu dis ça aussi et puis c'est fini. Et en conclusion, tu dis... coronavirus is a very bad disease that everybody can fight, must fight. Et puis c'est fini. On te donne 5 points, au moins 5,50. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous mettons fin à l'épreuve d'aujourd'hui. C'est le BPC 2014. Si vous n'avez pas compris ou bien vous voulez qu'on revienne sur un élément, ça peut être au niveau du essai, au niveau du test, au niveau de la grammaire, revenez-nous, écrivez-nous et nous allons vous répondre. Ok? Moi, c'est Monsieur Afekomi. Maintenant, je vais essayer de vous informer de quelque chose. Ce soir à 18h, nous allons faire une émission de débat et autour du projet École chez vous. Donc, on vous invite de rester connecté à 18h. On va faire l'émission ensemble. Vous aurez l'occasion de nous écrire des messages de soutien de suite pour poser des questions. Donc, Héloïse, je vais te laisser te présenter de nouveau et saluer deux personnes. On va terminer. Oui, Héloïse, vas-y. Je salue à les personnes qui sont à la maison, maman, les petites sœurs. Voilà. Et tous mes amis. Très bien. Merci beaucoup. Tu seras toujours des nôtres. Hein? À chaque fois qu'on va traiter une émission, tu seras là pour lire les preuves, pour nous aider à faire l'émission ensemble. Merci beaucoup et on salue ta maman de passage. Donc, chers téléspectateurs de la télévision deuxième, nous voici arrivés à la fin du cours d'aujourd'hui. C'était sur le BPC 2014. On a traité de A à Z. Vos questions, vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues sur le 90-47-33-109 ou vos messages de soutien. Vous voulez soutenir cette émission, essayez de nous appeler sur le 92-21-01-18. Le 92-21-01-18 pour tout sponsor. À 18h, on se donne rendez-vous. Tout à l'heure, à 16h, il y a un cours qui va passer encore. Le dernier cours passera à 18h. Et voilà, donc on se dit. Donc, on est. Voilà, je vous dis. Ok, on se arrête ici. Et je vous dis quoi? On se voit très prochainement sur les ondes de la télévision deuxième. Merci à la régie et merci au caméraman.